Alors bonjour, je suis Michel Beaulac, je suis directeur artistique de l'Opéra de Montréal et je suis accompagné d'Elisabeth Grenier, qui est adjointe aux communications et au marketing pour évidemment l'Opéra de Montréal aussi. Nous travaillons ensemble. C'est pour une cause qui nous tient à cœur, qui tient à cœur en fait à tout citoyen et que finalement la condition humaine de l'itinérance des gens qui se retrouvent malheureusement dans la rue, c'est une manifestation de l'inhumanité, puis l'inhumanité ne m'intéresse pas, c'est l'humanité qui m'intéresse. On rencontre beaucoup de gens dans la rue qui ont besoin de sous, qui sont dans l'indigence, qui sont souvent, qui dégagent beaucoup de tristesse et puis je dirais aussi un peu de malheur. En fait, c'est peut-être le côté le moins beau de la vie et puis le fait d'en être témoin, ça nous amène à agir. Et puis c'est pour ça qu'on s'implique comme ça. Puis je trouve que c'est certainement un moyen de remédier à tout ça. En fait, non, c'est assez une vision assez libre. On voulait des couleurs, on voulait un petit peu de mouvement. Puis on voulait aussi être identifié. Donc on a transformé le parcodon dans la forme d'art qui nous passionne tous les deux, c'est-à-dire l'opéra. Donc on espère que ça va faire chanter les gens qui vont mettre des sous dedans. OK, excellent. Merci beaucoup.